Faisal Academy, coach sportif. Je suis beaucoup plus dans l'entretien physique et dans la danse sportive. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Bref, ce que je fais en tant que coach sportif. Nous sommes à Geo Fitness, une salle de gym dans l'univers des salles de gym à Porto, qui a vu le jour, ça ne fait même pas encore un an, mais qui offre vraiment une panoplie d'activités à ses clients et à ses clientes. Et entre autres, comme activité, vous pourrez faire la muscu ici, vous pourrez tonifier votre corps, vous pourrez faire de la danse aérobique, du fitness, vous pouvez également faire du yoga, autant d'activités qui concourent au bien-être. Aujourd'hui, la tendance est que les jeunes hommes veulent se muscler, donc ils préfèrent faire la muscu. La tendance aussi est que les jeunes dames veulent perdre du poids, avoir une silhouette qui va avec leur corps. Donc, vous serez satisfait si vous venez à Geo Fitness à travers cette panoplie, cette trielle d'activités que nous vous proposons. Alors, au-delà de ça, il faut dire que nous avons des appareils de dernière génération, des appareils qui répondent aux besoins des actuels. Et c'est vrai, on a besoin tous de faire du sport, mais il faut savoir où aller pour faire du sport. Il faut savoir sur quel genre d'appareil travailler pour avoir le résultat qu'on souhaite avoir. Et ici, vous serez satisfait. Et à côté de ça, je peux également dire que les modalités, ce que nous proposons à la clientèle, répond à la précarité ambiante auquel nous faisons face aujourd'hui. Dites-vous déjà, avec 500 francs ici, vous pouvez vous payer une séance de sport, vous pouvez avoir accès à la salle. Avec 7000 francs déjà, vous pouvez vous faire abonner, travailler dans la salle 7 jours sur 7 pendant tout un mois. Et vous êtes suivi. Il y a beaucoup de coachs ici. Et chaque jour, vous aurez la chance de tomber sur un coach pour votre suivi. Donc voilà un peu ce que je peux vous dire de Geo Fitness. Maintenant, pour ce qui est de sa localisation, il faut comprendre que c'est dans l'enceinte de Cinema King. Cinema King, c'est connu de tous, c'est à Porto Novo et c'est logé dans l'enceinte du marché de Port-Gomain. Donc vous venez dans le marché de Port-Gomain, demandez à aller à Cinema King. Vous venez à Cinema King, allez au premier étage, vous verrez Geo Fitness. Donc bref, voilà en résumé ce que je peux vous dire de ce que je fais de Geo Fitness, de ses activités, de sa localisation. C'est celui qui décide de payer un abonnement d'un an. Ah oui, c'est bien possible. Parce que pour avoir des résultats, ce n'est pas au bout d'une semaine, deux semaines. Les gens se trompent quand ils viennent le plus souvent. Au bout de deux, trois semaines, quand ils sentent un semblant de soulagement, on abandonne, on se dit bon, j'ai déjà ce que je veux. Non. En fait, tant que nous vivons, nous devons comprendre que nous avons besoin de faire du sport. Donc ce n'est même pas une affaire d'un an, c'est une affaire de routine. Ça devrait être notre quotidien. Et les spécialistes disent même qu'il nous faut par jour pratiquer une activité pendant 40, voire une heure du temps. Donc ce n'est pas pour rien que des travaux ont été réalisés dans ce domaine-là. Et il faut comprendre également qu'aujourd'hui, c'est ce que nous mangeons qui nous tue. Donc nous sommes à l'image de ce que nous mangeons. Et pour pallier à cet déséquilibre, à tout ce qu'il y a dans notre alimentation qui, au fait, après a des répercussions négatives sur nous, il faut pratiquer le sport, il faut transpirer pour faire sortir tout ce qui est toxique, tout ce qui est déchet de l'organisme. Vous pouvez vous imaginer faire du sport, votre maillot, le mettre dans un sachet, l'attacher, détacher cela peut-être 48 heures après, vous-même, l'odeur, le gaz qui va rejaillir, sortir de cela, va vous sembler vraiment, vous ne pourrez pas supporter. Donc c'est pour dire, nous gardons à l'intérieur de nous beaucoup de choses, nous accumulons beaucoup de choses dans notre organisme pendant des années. Mais au fait, quand nous marchons, je dis que nous sommes en bonne santé, mais en réalité, nous sommes tous des malades ambulants. Et c'est notre alimentation qui joue ce rôle négatif sur nous. Et ce n'est que le sport qui puisse vous permettre de corriger tous ces déséquilibres. C'est vrai.
allez à la pharmacie, on vous proposera pas mal de produits, mais ça a des limites, c'est des facteurs limitants. Avec le temps, on vous dira le sport, le sport, le sport, le sport, et ça va s'imposer à tous, ça s'impose à tous. Voilà. À côté, vous avez les vélos. Je ne peux pas vouloir travailler sans m'échauffer. Et l'échauffement, ça démarre avec les vélos, puisque ça vous permet de transpirer et après maintenant, de travailler de manière spécifique sur la partie du corps que vous souhaitez peut-être travailler. Je suppose que je veux faire les abdos, je ne peux pas venir dans une salle et me coucher, commencer déjà par travailler mes abdominaux. Non, je démarre par l'échauffement, je démarre par un vélo pendant peut-être 20 à 25 minutes, travailler dans la filière aérobique ou transpirer afin d'éviter également d'éventuelles blessures. Donc voilà un peu ce que les vélos peuvent nous permettre de faire dans une salle de gym. Et ici, vous les avez, il y a des vélos assis, il y a des vélos debout. Voilà. Là, nous avons le stepper, c'est pas trop loin du vélo, mais ici, ça travaille de manière spécifique les mollets et les genoux. Donc on peut également l'utiliser dans le cadre d'un échauffement dans une salle de gym. Donc tout ça avant de travailler en fonction de son objectif. Donc je peux venir et puis travailler sur, et avec le stepper pour beaucoup plus solliciter mes mollets et travailler également les quadris, les cuisses. Le développé couché, beaucoup plus les hommes aiment travailler sur cet appareil parce que ça permet d'avoir les pectoraux. Je vais avoir des épaules larges, je peux également travailler au niveau du développé couché. Seulement que ici, il faut éloigner les mains l'une de l'autre. Là, quand vous prenez, vous ramenez vers la poitrine, ça vous permet d'avoir une épaule large. Je veux développer mes pectoraux. J'essaye de rapprocher mes deux mains au niveau du centre de la barre. Et puis, j'exerce toujours la flexion au niveau des bras. Je ramène la barre vers ma poitrine. Je suis sûr, avec le temps, puisqu'il faut travailler sur le temps, d'avoir les pectoraux. Mais également, ça travaille les triceps derrière les bras. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire, développer ici. Ces deux appareils que vous voyez travaillent beaucoup plus la musculature au niveau du train intérieur. Ça renforce les cuisses, ça favorise la souplesse au niveau des hanches et il peut également dire que la mobilité au niveau du bassin se sent améliorée. C'est bon pour les hommes, c'est bon pour les femmes, puisque il faut dire que c'est de la musculation qu'il s'agit. Et de manière spécifique, je dirais que cela a des effets vraiment bénéfiques pour les femmes. Vous savez, tout le monde a envie de se sentir épanoui en couple. Et parfois, pour certaines femmes chez qui la ménopause survient un peu tôt, il faut dire que les effets secondaires se font vraiment sentir. Mais avec ces appareils que vous voyez, la femme peut être ménopausée et ne pas sentir les affres, les effets secondaires de la ménopause. Je veux parler surtout de la vie sexuelle de la femme qui est impactée quand la ménopause survient. Parfois, ça vient très tôt chez certaines femmes déjà à 45 ans. Elles sont déjà frappées par les effets néfastes de la ménopause. Mais ici, je vous dis, cet appareil a des effets miracles sur la vie sexuelle de la femme. Donc, ça impacte non seulement la femme, mais également l'homme. Donc, c'est un appareil qui est recommandé pour tout le monde, pour les jeunes, pour les personnes d'un certain âge, peu importe le sexe, puisqu'il faut dire que ça travaille d'abord le train inférieur. Si vous voulez vous muscler, venez solliciter ces appareils, vous aurez le résultat souhaité. Les abducteurs également, vous les sollicitez avec ces appareils. Si vous souhaitez avoir
des pectoraux bien sortis, saillants, je vous recommande cet appareil. Et comme vous l'avez constaté, le fait de ramener les manches de cet appareil dans l'as permet de faire sortir les pectoraux. Au-delà des pectoraux, les épaules sont sollicitées. Il y a également les muscles du dos qui également sont travaillés. Mais auxiliairement, c'est beaucoup plus les pectoraux que cet appareil permet de solliciter. Donc voilà un peu ce qu'on pourrait dire de cet appareil. Il faut également dire que c'est les bras qui travaillent. Donc également les bras sont sollicités, notamment les triceps. Ici, constatez que c'est toujours les pectoraux qui sont sollicités, mais également les clavicules, le sternum, donc les articulations acromio-claviculaires sont travaillées. Le sternum également est sollicité avec cet appareil-là. Également, je dirais que la cage thoracique devient beaucoup plus importante en termes de volume quand vous travaillez sur cet appareil-là. Donc, voilà un peu ce que cet appareil joue comme fonction. Inutile de dire que les épaules également sont touchées, puisque quand vous poussez l'appareil vers le haut, vous sentez là les effets sur les épaules également. Nous avons affaire à un multifonctionnel qui travaille en même temps tout le corps. Le frein, le train inférieur, le train supérieur, les jambes, les bras sont sollicités. Les mollets au niveau du train, du frein inférieur, vous avez les mollets, les quadriceps. Là, ici, les épaules, les muscles du dos, vous devez avoir le dos tonique. C'est le moment. Vous passez sur cet appareil pour travailler, vous aurez le résultat souhaité. Donc, les muscles du dos, les épaules, les triceps, les muscles derrière le bras. Vous pouvez les travailler et avoir le résultat souhaité avec cet appareil. C'est une flexion au niveau des bras et puis on descend le buste vers le sol. Donc c'est le même effet que celui qui fait les pompes. Vraiment que ici c'est une machine. Et il faut dire également que ça amortit un peu le poids du corps. Faire les pompes et travailler sur le temps. Voilà. Donc parfois, pour certaines personnes obèses ou en surpoids, elles n'arrivent pas à faire les pompes. Mais ici, vous aurez du plaisir à le faire parce que tout le poids n'est pas impacté, n'est pas sollicité avec cet appareil-là. Donc, c'est à vous de changer de posture. C'est la posture que vous imposez à l'appareil qui impacte également sur la charge ressentie au niveau des bras. C'est le moment avec notre cher ami Luc qui travaille ses biceps. Donc ici, c'est un mouvement de flexion des bras. Vous ramenez l'appareil juste vers votre poitrine et vous avez le résultat. Donc c'est les triceps, les biceps qui sont travaillés à travers cet appareil-là. Là, c'est beaucoup plus les triceps. Tout à l'heure, c'était les biceps qui étaient sollicités. Donc, c'est un appareil, des haltères qui sont mis de chaque côté qui vous permettent de travailler les bras. C'est un appareil qu'on utilise pour les cours d'aérobic. Donc, vous pouvez faire du step également ici. Comme je l'ai dit, tout au début de ma présentation, nous avons la danse que nous faisons ici. Mais au-delà de la danse, vous avez également la possibilité de faire beaucoup de choses dans notre salle. Les steps sont très aimés, surtout pour la perte du poids. Et ça vous permet également de travailler votre mémoire. Ça vous permet d'être concentré. Ce qui vous permet de travailler, de ne pas être ennuyé dans une salle de gym. C'est les activités qu'on vous propose. Aujourd'hui, je peux venir faire du step pour ma perte de poids. Demain, je peux venir faire de la danse. Après demain, je peux venir faire de l'aérobic. Donc, c'est tout autant des activités
qui vous permettent au fait de perdre du poids, mais également de ne pas être ennuyé. Toute la différence avec ceux qui travaillent au bord de nos voies ou peut-être sur l'esplanade de nos stades. Généralement, c'est la routine, c'est les mêmes activités. C'est vrai, c'est des gens qu'il faut encourager parce qu'ils font déjà un travail maos sur le terrain. Mais la différence ici avec les salles de gym, c'est les activités qu'on vous propose qui sont variées, qui vous permettent vraiment de vous occuper, de ne pas être ennuyé. Et également, il faut dire que c'est des spécialistes rompus à la tâche qui vous aident vraiment à atteindre votre résultat. Parce que il est vrai que les mouvements sont vraiment importants pour celui qui veut peut-être avoir un ventre plat, mais parfois également, il faut savoir le corps sur lequel nous voulons travailler. Certains ont peut-être des problèmes au niveau du dos. Donc quand ils viennent, il faut déjà commencer par recenser les problèmes que cette personne-là a. Et en fonction de ce problème, on oriente le travail, la charge que cette personne pourrait supporter. Voilà, donc d'où la nécessité de travailler dans les salles de gym à cause du suivi également. Je rappelle que nous sommes à GeoFitness, une salle de gym qui est située, qui est dans l'enceinte de Cinema King. Cinema King qui est dans l'enceinte du marché de Pogbomé. Vous voulez venir à GeoFitness, vous pouvez rapidement venir avec l'itinéraire, avec les indicatifs qui quand même vous permettre de vous y rendre sans aucun problème. Vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter au 97 96 67 58 ou également au 62 06 16 85. Voilà un peu si vous voulez venir à GeoFit, vous voulez avoir des renseignements sur notre salle de gym, vous avez le nécessaire pour pouvoir vous y rendre. Merci et à bientôt.